Les stratégies de fusion qui est le cadre la croissance externe. C'est très important à hein, la notion. Donc, stratégie de fusion. La fusion ou hard dial juge le ou bien plus. La fusion se définit comme l'opération par laquelle plusieurs sociétés décident de réunir leur patrimoine pour n'en former qu'une seule. Donc, il y a qui se réunissent dans un juste le mot ou bien plus, qui je me dans le patrimoine de l'autre, pour y un seul mot de Dans la pratique, la notion de fusion recouvre deux types de situations. Donc, il y a juste types de la fusion. Il y a la fusion, en a la fusion égalitaire ou bien la fusion simplement, le fait un angle de fusion égalitaire, il y a la fusion. Merci les deux entreprises économiques ont une taille comparable, donc se réalise entre deux entreprises de taille. Comparable, c'est que de même taille. Petite entreprise avec petite entreprise. Grande entreprise avec grande entreprise. Moyenne entreprise avec moyenne entreprise. D'accord? Il est rare. Il est rarement, il n'y a de type de fusion, car l'égalité n'est pas fréquente. La deuxième forme, c'est la fusion absorption la fusion absorption ou bien la, 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 la fusion acquisition également donc opter dans un environnement moins concurrentiel le fait un un secteur d'activité ou bien un domaine d'activité quatre quatre lesquels confie quatre confient une forte concurrence une concurrence acharnée ou un double monnaie fsa ça donc une entreprise qui dira la fusion absorption euh, euh, par exemple, on, on cite l'exemple de euh, Meditel avec Orange. Donc, Meditel avec Orange, c'est une fusion-absorption. Absorption, absorption c'est l'éltihème. Donc, l'éltihème, maintenant. D'accord Il euh, y a deux entreprises, une qui marche et une qui ne donc, à l'inverse, adapté au cas où les deux partenaires ne sont pas de taille équivalente. Donc, il y en a qui connaissent d'autres entreprises, mais qui connaissent équivalente. Ou bien l'inverse. Donc, acquisition, cession de droits de propriété. Il y a l'acquisition, il y a les droits de propriété. Donc, une seule société subsiste et reçoit un titre d'apport. L'apport, hein? c'est la comptabilité de société l'ensemble de l'actif de l'entreprise, de l'autre société qui se trouve dissoute. les quatre 4 donc ça c'est mathématiquement donc à quoi qu'il les les choses toujours quand qu'on a x, z, y il x, il y y donc c'est une forme L'équation n'est pas les mathématiques qui sont les mathématiques qui mathématiques. Donc, à dire que le X et Y, soit X, soit Y. Donc, il y a un X qui est un X d'une grande taille ou vice-versa. L'exemple d'Ecrossoft, Akinokia. Donc, c'est un exemple au niveau mondial. Microsoft, c'est une société. Euh, américaine euh, spécialisée dans la, la production des euh, applications ou bien des programmes d'installation. Chloe Nokia. Nokia, c'est l'opérateur mondial. Dans le, 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 le cas d'une fusion-absorption, soit l'entreprise rachetée et des visionnaires lors de leur rachat, euh, Gervais Danone et 20 ou... Knoborg constitue des filiales du groupe BSN, soit des actifs sont répartis au sein du nouvel ensemble. Donc هنا, هنا, wahed, le type, le troisième type, c'est que où euh, la part partielle, la partie, des partie de la patrimoine, patrimoine chaque reprise qui est Par exemple, on a trois entreprises, chaque entreprise jumeau j'ouvre, donc les les parties du patrimoine, aucun crié ou, une l'entreprise les qui va être complètement indépendante. Donc, je vais vous donner une schéma qui récapitule. Donc, soit x et y deux entreprises dans un domaine ou plutôt une industrie quelconque, un domaine d'activité quelconque, et hein, hein. C'est-à-dire les les cas. Le premier cas, la fusion, ou bien la fusion égalitaire, X, Y, qui une entreprise Z. Le cas, euh, par exemple, national, elle la fusion, mais bien et ou Donc, a l'entreprise Tijeri ou elle a la, la, une, euh, Donc, a tigérie, a, euh, la société banque donc, deux ce sont deux entreprises concurrentes le secteur bancaire. Donc, la fusion binet une fusion oulet est une fusion qui une fusion ni une fusion 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 est Donc, ce qui le deuxième cas c'est la fusion absorption. La fusion absorption c'est à dire qu'elle <coughs> a deux entreprises, pardon, deux entreprises, X et Y, soit qu'elle a X, elle a fait ce qu'elle ou bien qu'elle a Y lorsque Y est plus grand que, que, que X. Donc elle a la fusion absorption il en a la part d'actifs x et y restent donc réel avec la partie l'actif les catamching mais bien x ou y les qui créent ou avec filial d'accord très bien les avantages de la stratégie de fusion euh, chaque stratégie évidemment qui connaît des avantages et qui connaît des limites c'est très simple les avantages de la stratégie de fusion il permet d'acquérir rapidement de nouvelles compétences et des parts de marché. Il permet d'avoir plus de, cap euh, de capacités et de positions concurrentielles. Donc, un, le premier avantage, qu'est-ce que l'acquisition rapide, dit-elle, les compétences et les parts de marché. Donc, on a par exemple deux entreprises. Il est dans la fusion, par exemple, Tijeret plus banque La Tijeret, on a des clients, elle il faut avoir des clients. Donc, ce sont des marchés simplement. je quand je dis la fusion, car elle brûle les deux marchés. Il permet euh, d'avoir plus plus de capacités et de positions concurrentielles. Il euh, y a qu'on la capacité now. Également quatre qu'on a de la position Également f le, f le secteur d'activité qui opte euh, donc les entreprises. Mais il, il existe des inconvénients, des limites qui connaissent un coût élevé. Donc le fait a une endérofusion, c'est un coût très élevé. Également, risque d'affecter des actifs immatériels. Il y en a tout à fait une mais maquillage un actif très important. Surtout la notion de la culture donc tout à fait des conflits tout à fait حit, 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 on a un risque simplement à la fusion ou tout à fait un les le troisième inconvénient c'est difficulté d'intégration si le résultat de des les deux c'est une intégration surtout la, le siège social ou bien les, la société en général euh, l'intégration entre les, 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 les ressources humaines. Bizarre. Donc, euh, quand vous comme raide, la prochaine séance, à bientôt.